Allez, salut les loulous, c'est le jour du dimanche, on est reparti pour la suite de mon Let's Play sur Dark Souls 3 sur le PS4. Et on est, je sais plus combien de parties, j'ai déjà oublié de compter, donc je sais que c'est plus de 30, peut-être 32 je crois. Voilà, on avance ultra bien, y a rien à dire. Rien à dire, donc là j'allais aller à un boss. Bon, il y avait une zone avec des nuages, donc quoi, avec de la fumée. Donc on va aller là. Et un endroit là avec le monstre en bas, je me rappelle même plus c'est où déjà. Donc pour ceux qui ont suivi, voilà, je me rappelle plus. Il faudra que je regarde l'épisode juste avant pour me rappeler, au cas où. Parce qu'il faut vraiment pas que j'oublie un objet, quoi. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pour mon confort, quoi. Si je peux retrouver une fiole d'estus ou quoi, 12 c'est pas assez. Bon, en même temps, heureusement que je fais pas de magie. Donc il y avait un boss, hein, je l'avais prédit. Bon, je l'avais prédit. Impossible, ça s'ouvre de l'autre côté. Et si je tape dedans. Ça s'ouvre pas non plus. Donc il y a encore pas mal de passages à voir. Hein. Oh, puis il y a des échelles ici. Il y a un passage avec un boss lob. Bah, et c'est en feu. C'est quoi ce truc? C'est ça mon prochain boss qui crame là? Oh putain. On va aller voir en haut. J'ai pas tout de suite allé au boss en fait. J'aurais su, j'aurais peut-être pas dû arrêter mon épisode avant, mais bon, c'était peut-être un peu trop court, mais bon, c'est pas très grave, tant pis. Tant pis pour moi. Objet. Bon, encore un éclat titanique, ça c'est bien. Sauf j'en ai plus besoin d'éclat titanique pour ma hache, donc il me faut la tablette, mais bon, la tablette elle est dans. Et téléphone, c'est magnifique. Tant pis, ça laissera un message. J'en ai rien à foutre, moi je joue tranquille. Allez, casse-toi. Donc là, il y a quelque chose, ok. C'est juste pour passer et tomber là. Ça va, je ne suis pas mouru. Un autre chevalier. Pourquoi ça sert? On va regarder un autre chevalier. C'est quoi déjà? Ah ouais, par contre, faut. C'est quoi un autre chevalier? Sacrifice, on s'en fout, gros. Ma mère, c'était quel? Je me rappelle pas. Bah alors il me l'a mis où c'était quoi? Il est là. Augmente la force. Oh. Je passe à force 45. Ok. Truc qui me sert pas en fait. Un autre glace. Ah bon? Ok, améliore, rend les roulades. Les âmes, les fioles. Bon, on va enlever ça, j'en ai rien à foutre en fait. Je vais prendre ça. Ça augmente. Ah putain, il y avait une échelle, quel con, je l'ai pas vu. Ouais, vas-y. Voilà, si tu veux. Braise, des casques. J'aurais su, j'aurais peut-être dû. Ouais. Et là, je vais avoir un serment. Ah non, j'ai eu un. Ouais, si tu veux. Serment du soleil, si tu veux. Hein. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs portes, quoi. Plusieurs pour les serments, quoi. Donc ça c'est fait, ok, hop. Il y a là-bas aussi, j'ai pas été voir encore. On va juste jeter un œil. Là il y a un objet là.
pièces rouillées, mais je vois pas à quoi ça sert. Donc là, un vrai coffre. Bon, j'ai quand même, je tape quand même au cas où. Si on peut pas les péter les coffres, donc je le fais quand même. Je crois que je me suis tellement fait rouler là depuis le début de l'aventure que voilà quoi, je préfère prendre. C'est même plus les précautions que je prends, c'est encore un anneau, ok. Donc on voit que mon boss il m'attend hein, tranquillement. Une sorte de dragon, je sais pas quoi, ça va être un boss bizarre. On va y aller après hein. Bon, pour ce moment, si j'ai pas toutes mes fioles, c'est pas très grave. Ah mais il y a encore un ascenseur à activer ici. Ok, alors, on va voir où ça me mène. Le mécanisme ne bouge pas. Ok, parce que c'est pas pour maintenant, c'est ça? Ok, faut tuer le boss avant. Ok, tuer le boss, je sais pas quoi. Ou faut peut-être activer le mécanisme, je sais pas. Bon allez hein. On va voir sa pattern hein. Ce sera, on va dire que la première sera pour la pattern. Bon, si je le bute, si je le one shot, tant mieux, mais bon, ça m'étonnerait. Hein. Ah merde, c'est pas du tout ce que j'attendais. Ouf, fais mal toi monsieur. Ouais, tu fais mal, j'avais dit. Je crois qu'avec les fioles que j'en aurais largement assez. Il est vraiment puissant. Hein. Ah mais chérie, tu veux pas prendre plus vite ta brin voilà quoi. C'est le coup de bouclier que je vois pas arriver à chaque fois. Voilà, c'est fait. Mais bon, il doit y avoir une deuxième phase, le truc là-bas. Sur des dragons. Ok, moi je one shot. Je regarde comment il tombe. Ok, one shot. Ok, super. Super Toby. Voilà, un boss. Ouais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure sur l'épisode juste avant? Les mobs, ils sont ultra casse-couilles. Et tu galères à les one shot, à les buter quoi. Et split and boss à la con, bah je les one shot. Bon, il était pas très compliqué, hein. Bon, franchement. Allez, il fallait pas sortir Polytechnique pour lui mettre sa race. Donc voilà. Ah voilà, c'est bien. Continue. Hein. Continuons notre chemin. Ouais, par contre, il y a un endroit où il faudra que je refouille. Ben, soit je ferai, comme je dis, je ferai hors caméra là en dessous, là, où il y avait un monstre bizarre là. Il y a plein de chemins encore partout. Petit objet, vas-y. Ah putain, donne-moi pas un éclat, je veux un. Je veux une fiole d'estus là. Tu vois? Ça, ça m'intéresse plus quoi, tu vois? Non. Je suis pas encore très loin de la fin, mais.
Il me reste plus qu'un gros boss à tuer, hein, en fait. Sinon, il me reste plus grand chose à faire. Hein. Un gros boss et le dernier boss. Ceux-là, c'est des sous-boss de merde, c'est des sous-merdes, quoi. Là, tu défonces de la sous-merdasse, quoi. Bah, double feu, toi, t'es sérieux. Ça, c'est un peu pourri. Voilà, c'est ce truc qui m'énerve. Pourquoi tu mets un double feu, quoi? T'as le boss là-bas, tu mets un refait à l'eau. C'est toute la logique des Dark Souls. Donc ça, c'est le mécanisme pour quand tu auras fait le tour. Ok. Et ouvrons. Hein. Clé des grandes archives. Fait encore plein de passages à droite et à gauche. C'est quoi cet engin? Ah, un mage de glace, ok. Pourtant, c'est pas un boss, hein. Mais le con que j'étais en train de tataner, il est où lui? C'est cassé? Oh là là. Puis je me tape des monstres, je me gratte. Je me gratte le bras. Faut vous en faire. Non mais t'es pas sérieux quoi. Je fracasse un monstre et le monstre il se bat. Non mais c'est l'histoire du monstre de glace, il est où lui? Je m'inquiète toujours sur le monstre de glace, hein, parce que je sais pas où il est passé cet enculé. Putain, il y avait des passages partout, ok. Je l'ai vu sauter, hein. Je l'ai vu juste au-dessus de ma tête, mais j'ai vu, j'ai entreaperçu le bonhomme. Donc voilà quoi. Le mec il se promène comme mec, c'est 76 000 âmes. Il vient de tuer un boss, rien à foutre. Je suis en braise de toute façon. Bon, moi qui dis braise, dis de toute façon, je me fais tout le temps défense. Truc, ok. Toujours des écailles. Il veut pas me donner un truc pour me booster ma vie. Hein. Ça. Ouais, trésor. Ouais. Ça, c'est quoi, cette tête de cire? Bon, j'ai mis ma tête dans la cire, ok. C'est pour passer inaperçu ça? Oh, le stage il est bizarre. Ah, la tête de cire, je suis protégé des mains. Ok. Que les mains normalement vous empoisonnent. Et il me confond avec un monstre. J'avais cru voir un message. Ok.
Ça, c'est bon à savoir aussi. Ça, je savais pas, hein, franchement. Puissance intérieure. Vrai coffre. Chevet de sorcière, magnifique. Oh, ça loot dit caca, ok. Oh, il y avait quoi? Que dalle. En fait, à chaque fois que je reviens dans ce stage-là, faut que je me mette la tête pleine de cire. Ok. Du coup, ouais, ils me confondent, même les ennemis me confondent, quoi. Ils savent pas si je suis un gentil ou un méchant. Ok, bah c'est cool. Ah ouais, faut pas non plus abuser. Il y a que les mains. Ah, il y a que les mains qui peuvent pas m'empoisonner, quoi. Ok. Je savais même pas, hein. Franchement, j'ai fait au pif. Hein. La tête dans le cire. Voilà, quoi. C'est pas un truc que tu vas penser en jouant à un jeu. Alors, l'autre, elle est là-haut. Ah, il m'a buté! Mais 90 000 âmes! Oh non! Frère, je les ai pas consommés. Ah, boulet. Je trouvais trop facile le stage. Ah, je crois pas. Et puis tant qu'elle picole, ça m'énerve. Sérieusement. C'est ça qui m'énerve, moi, dans ce putain de jeu. C'est tant qu'elle boit sa potion de tafiole, là, laisse tomber. Bon, du coup, j'ai tout perdu. C'est magnifique. Bon, on sait que je dois remettre ma tête dans le. Dans le caca d'oiseau maintenant. Hein. Je vais quand même buter tous les baltringues qui me gênent. Pour pas être trop embêté. Toi, je t'ai mis cher, enfoiré là. Merde, j'ai tourné en rond là. Faut aller où, putain de sa mère? Ah merde, je m'en vais plus, faut aller où? Qu'est-ce que je fous? Là, c'est d'où que je viens. Ok. Bah alors. Faut aller où? Je m'en rappelle plus. Eh, vive le labyrinthe! Bah alors, faut aller où là? Ah merde, j'ai un trou. Je suis pas con normalement. Ah bah c'est par là, ouais. C'est pour ça. Bon, j'avais plus rien à chercher. Hein. On va juste se remettre en tête de gondole. Vas-y. Casse-couilleux, hein. Donc on va se remettre comme ça. Même si je perds un peu mon casque, c'est pas grave, on s'en fout. Et ça me protège cette connerie. Donc t'es obligé de le faire. Oui, je vais allumer ma bougie. Puis j'ai mis ma torche, donc on va s'allumer. Donc là, je vais essayer de récupérer le dernier petit truc qui me manque. Voilà.
Salut, je te l'ai eu. Bon, ça me sert que dalle, mais c'est pas grave. Et là-bas, on s'en branle. On va baiser ce bâtard là. Et il y avait un truc, ok. Encore un éclat titanique. Eh, ben, il y a un bazar. Putain. Ah, je l'ai pas buté, ce PD. C'est pas grave, je repasserai à 10 000 âmes. Là, il y a un passage en dessous. Ok. Notre gros con, il est en face. En fait, comme je suis une bougie, ils veulent m'allumer, quoi. Ok. Mais si je serais pas une bougie, je me ferais défoncer par cette merde. Ouais, par les murs là. Vas-y, je vais te baiser ta mère, toi. De suite. Vas-y, laisse-moi partir! Oh putain! Ah vas-y, je ne l'attendais pas celle-là. Ouais. C'est bon, je l'ai eu. J'ai récupéré un parchemin. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Il y a tellement de passages, là. C'est affreux. Ah bah. Ça, c'est le plus important, je crois. J'ai trouvé. Ah voilà. Je quitte la zone. Le masque est pas infini en fait. Masque de. Donc là je peux ouvrir. Ici. Et ça me refait revenir là où il y avait le petit bonhomme. Ok. Voilà, c'est bon. En moins comme ça, bah. Je suis pas loin du feu. Et on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis fatigué, j'en ai marre. Je vais arrêter. Et on se reprendra plus tard bah, pour la suite du let's play. Hein. On va aller se faire masser mes niveaux. On va le faire ensemble. Puis après je vais arrêter parce que j'en ai marre. J'aurais pas joué longtemps mais j'en ai marre. J'en ai fait assez je crois. J'ai fait 4 épisodes. Ça fait 2 heures. Un petit peu moins de 2 heures même. C'est bon. J'ai pas envie de jouer plus quoi. C'est bizarre mais c'est comme ça. Donc on fait ça. Je sais pas encore ce que je vais me booster mais c'est pas grave. C'est ça le problème. Si je me refais de la vigueur. Vigueur je passe à pas mal quand même. Ça fait 140 de défense. Et je vais courir à peu près comme un lapin. Parce que là mon équipement il sera plus. Je serai plus léger quoi. Ça me protège et du poison, et du saignement, et du givre et de la malédiction. Après je peux faire de l'intelligence. Mon intelligence ça me booste un peu mais je récupère pas de sort donc ça sert à rien. Et là idem, la chance c'est que pour des objets donc ça me sert à rien en fait. Ça permet de découvrir des objets, bon pff, on s'en fout. Après là, voilà pareil, je gagne 56% de vie, bon, voilà c'est pour ça que je fais plus la vie, ça sert à rien. Bon allez, la mémoire on s'en fout, l'endu. Bon voilà l'endu pareil, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a vraiment si je fais la vigueur que je gagne beaucoup de défense quoi. Je prends 3 points de défense quasiment partout quoi. Quoi 7 points de défense quasiment partout. Donc ça vaut le coup. Si je fais la force, bah, je gagne encore moins. Bon par contre je récupère que 2 points de force donc ça peut être très utile. Et en intelligence,
En dextérité, par contre, je prends 6 points de défense, 6 points de dégâts. Est-ce que je suis vraiment obligé de passer par là? Tu sais quoi, je vais privilégier ça pour récupérer de la défense et perdre moins de vie. Je suis niveau 81, je suis pas très très loin de la fin, je pense. Mais voilà quoi, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Niveau armure. Comme ça, peut-être qu'après, je pourrais me prendre une armure plus sympa et voilà quoi. Là, les flèches pour les dragons et tout bazar. Super. Et des anneaux, je crois que j'en ai pas. Il y en a un que j'ai pas, je sais plus lequel. Tu vas être celui-là, je crois. Voir si je peux booster l'épée là que j'ai commencé à booster. Là, j'ai toujours pas récupéré de fiole, bah non. Il y en aura sûrement un dans ce stage-là, je pense. Le fiole. L'épée, c'était laquelle déjà? C'était celle-ci, hein. Ouais, celle-ci. Donc celle-ci, je peux déjà la rebooster. Donc on va le faire. Et je bim. Donc là, elle est à 200, 358, 59, pardon. Donc 359. MH, elle a combien? Elle est à 381. 381. Au dernier niveau, elle sera à 407. Dire que je pense que l'épée, elle sera beaucoup plus puissante. C'est là, après le prochain niveau, l'épée, elle sera à 392. Donc je pense que niveau 10, l'épée des ténèbres, elle sera costaud, mec. Moi, je vous le dis. Elle sera costaud, l'épée du ténèbre, après. Je vais essayer de me l'installer. Faire ça, elle est là. Je vais vous la montrer au cas où, si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Voilà, ça ressemble à ça, l'épée des ténèbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 coups. Et avec la hache, on va compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je suis plus avantagé avec ma hache. Mais bon. Voilà, j'espère que cette partie. Je sais pas au numéro combien, de toute façon, comme je dis, sera toujours marqué dans le titre. Hein. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis tous les potos et à la prochaine. Allez, salut, tchuss!